prière à Notre-Dame de la Salette. Souvenez-vous, ô Notre-Dame de la Salette, véritable mère de douleur, des larmes que vous avez versées pour moi sur le calvaire. Souvenez-vous aussi de la peine que vous prenez toujours pour moi afin de me soustraire à la justice de Dieu. Et voyez si, après avoir tant fait pour votre enfant, vous pouvez maintenant l'abandonner. Ranimé par cette consolante pensée, je viens me jeter à vos pieds, malgré mes infidélités et mes ingratitudes. Ne repoussez pas ma prière, ô Vierge réconciliatrice, mais convertissez-moi. Faites-moi la grâce d'aimer Jésus par-dessus tout et de vous consoler vous-même par une vie sainte, pour que je puisse un jour vous voir au ciel. Ainsi soit-il. Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs, priez sans cesse pour nous qui avons recours à vous. Le 19 septembre 1846, l'Auguste Vierge Marie apparaissait dans le diocèse de Grenoble, sur la montagne de la Salette qui domine le village de la Salette de plus de 2500 pieds. Comme témoin de son apparition, Marie choisit deux petits bergers qui ne se connaissent que depuis la veille. Maximin Giraud, âgé de 11 ans, et Mélanie Calva, âgée de 14 ans. Le 23 décembre 2020, sur LifeSite News, il nous dit que donc l'Église catholique sera de plus en plus obscurcie par la secte qui se superpose à elle abusivement. Le 20 avril 2021, sur LifeSite News, il nous dit « Le résultat est la superposition sur la véritable Église d'une secte de modernistes hérétiques. La véritable Église est éclipsée. » Il nous dit aussi ceci « À la Salette, Notre-Dame nous a avertis, Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Ce ne sera pas la Sainte Église indéfectible par les promesses du Christ qui perdra la foi. Ce sera la secte qui occupe le siège du très bienheureux Pierre. » Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs, priez sans cesse pour nous qui avons recours à vous.